en course pour leur entrée dans un nouveau pays. Après la Chine, après le Népal, voici l'Inde. Un pays immense, surpeuplé, l'une des plus anciennes civilisations du monde, dotée de cultures et de traditions uniques. Il reste encore 4 étapes, dont une sans élimination, avant que les deux dernières équipes s'affrontent lors de la finale à Bombay. Bonsoir et bienvenue dans Pékin Express. Semaine dernière dans Pékin Express. Partez ! Après plusieurs semaines passées en Chine, les 6 équipes en compétition continuaient la course au Népal. Pachou Patina, ok ? Pour toutes les équipes, c'était l'émotion de la rencontre avec un nouveau peuple et une nouvelle culture. Là, c'est le folklore. La couleur, la musique, les gens ils sont souriants. Oui, tout le temps, ils sont heureux, ils sont contents de vivre. Quoi. On a eu des meilleures soirées quand on est passé depuis le début de la vanne. Ne regarde pas en haut, j'ai besoin de toi, mon cœur. Les meilleures d'entre elles ont même vécu un moment incroyable, la découverte de l'Himalaya. On a vu le soleil se lever avec un petit-déj extraordinaire et un paysage de dingue. C'est magnifique, c'était magique, on aurait dit qu'il y avait un peintre derrière qui était en train de changer de décor. C'était grandiose. La semaine dernière, la course au Népal a été marquée par une épreuve spectaculaire. Polo à dos d'éléphant. Premier but pour les Mouchtamas, depuis le début, il était pas mal. Mais aussi par une surprise, les équipes ont été mixées. Dans chaque équipe, il y a un pousseur et un ralentisseur. Le pousseur doit absolument arriver premier. Une nouvelle règle, parfois difficile à vivre. Quand il est loin de moi, il est pas bien. Hé, hey Candice ! Ouais ? Ouais, maille-toi ! Si tu trouves une voiture, tu m'appelles ! Tu fais chier, hein ? Ouais ! La garce, au bord de la crise de nerfs. Tu viens, Denis ? Allez, chérie ! Entre compétition et stratégie, tous les coups étaient permis. Même c'est même pas pipi. Nicole ! Mamie ! Tu vas où, toi ? Tu te serviette prêt, moi. Ah bien ! Dépêche-toi, j'ai loupé une voiture. Je suis Ralan Pisseuse. Mais mule, maille. Je vais doucement. La merde. La merde ! Je vais absolument faire une pause pour savoir où était l'équipe de Geoffroy. Si on les voit passer, au moins on peut rentrer avec eux. J'ai joué mon rôle de ralentisseur complètement en disant là j'avance plus. Dès qu'il a le dos tourné, je fais le cinéma royal hollywoodien. Et putain, viennent de passer, ils ont tracé. Arrivée première malgré Denis, son ralentisseur, Rosaline remportait pour Candice et elle leur première victoire d'étape. J'étais super stratégique à fond. Je voulais vraiment pas prendre de risque qu'on puisse pas aller en Inde. Je suis une coquine, j'ai bien roulé dans la farine. Dernière à la fin de l'étape, l'équipe de Thibert et Nicole devait quitter l'aventure. Il n'y a pas de mauvais souvenirs. Je crois que l'expérience, c'est un tout. Et les galères, les joies et tout, ça fait partie du jeu. Ça fait une aventure merveilleuse. Avant de partir, les doyens de la compétition décidaient de léguer leur amulette aux deux plus jeunes, Thomas et Ellie. Ils veulent se faire doubler. Ce soir, les 5 dernières équipes disputent leur première étape en Inde. C'est cette rue-là. Pas le droit à l'erreur. L'équipe classée dernière sera éliminée. Pékin Express, une course incroyable de Pékin à Bombay avec juste 1 euro par jour. 10 équipes vont vivre une aventure unique durant 45 jours, mais une seule pourra remporter la victoire. 10 équipes ont relevé le plus grand défi de leur vie. Deux par deux, ils traversent 3 pays, la Chine, le Népal et l'Inde, et suivent la route de l'Himalaya. De Pékin à Hong Kong, de Katmandou au toit du monde, l'Annapurna, des rives sacrées du Gange au désert du Rajasthan, du Taj Mahal jusqu'à la trépidante ville d'arrivée, Bombay. Papa, je te dis franchement, là, tu m'énerves. Allez, on speed, c'est bon ça. C'est bon. Zoumaï. Mais poussez-vous. C'est pas chouette ça. Là. One so. Les gamins, ils ont dit, c'est tout droit. Contre-sens sur l'autoroute. Je rêve là. Ok. À Bombay, une seule équipe pourra remporter jusqu'à 100 000 euros. Bienvenue dans Pékin Express. Namaskar. Bienvenue en Inde pour cette 8e étape de Pékin Express. Vous l'avez vu, on a dû se déchausser. Nous sommes devant un temple, c'est un lieu sacré. Donc pour respecter ce lieu, nous sommes pieds nus. N'oubliez pas d'en mettre vos chaussures pour partir. Ça va quand même vous aider. Ouais, vaut mieux. Vous allez le voir, l'Inde est l'un des pays les plus fascinants et les plus complexes qui soient. Il y a plus d'1 milliard 100 millions d'Indiens.
Bien sûr, ce qui surprend au début, c'est la pauvreté des gens. Mais très vite, vous allez voir, vous allez découvrir la formidable richesse de ce peuple, sa culture, ses traditions, et vous allez repartir d'ici transformé par ce que vous allez vivre. Vous avez 3 jours pour parcourir 750 km et vous rendre à Khajuraho. Je vous attendrai au pied du temple Lakshmanath. L'équipe qui arrivera en dernière position au temple sera éliminée. Pour éviter l'élimination, vous pouvez être immunisé et remporter l'épreuve qui aura lieu à Varanasi. Seules les 2 premières équipes arrivées à Varanasi pourront participer à l'épreuve qui aura lieu sur les rives du Gange, qui est un fleuve légendaire. Je vais vous remettre vos enveloppes, il y a la carte, la balise et également votre argent. Nous passons en roupies indiennes. 1 euro par jour et par personne, ça fait 55 roupies indiennes par jour et par personne. Bonne chance à toutes et à tous. Et puis, je vous attends demain à Varanasi pour l'épreuve. 3, 2, 1, partez! Première étape en Inde et premier objectif. Rejoindre le plus vite possible Varanasi, anciennement Bénarès. C'est dans cette ville que va se disputer l'épreuve d'immunité. Et pour les candidats, y remporter le dossard rouge est bien le seul moyen d'éviter l'élimination à la fin de l'étape à Khajuraho. Salut filles. Pour les 5 équipes encore en compétition, ce matin, c'est la découverte d'un nouveau pays, l'Inde. Le plus peuplé au monde après la Chine, bruit, couleur et la foule partout. Première difficulté, ne pas perdre son coéquipier. Lélie, t'es où là, Lélie? Lélie, préviens-moi quand tu pars. Hein. Ouais. Moi, je te vois plus ici après. Hein. Ok, ça marche. Là, je t'ai perdu en 10 secondes. Le départ dans cette rue, il y avait trop de trafic. Toutes les voitures klaxonnaient, on s'entendait limite plus parler avec les conducteurs. Just out of the city. Lélie, on avance cette rue là, bloquée, c'est rare. Bonjour. Please. Nous, c'est des moines. Les frères peuvent amener les moines. Nous, on a un peu souffert dès le départ avec Nadine parce que ce qui est dur, c'est que quand ils nous refusent les voitures, c'est un geste vraiment agressif. C'est un geste comme ça, mais méchant, l'air de dire t'accroche pas à ma voiture. Hello. Hello. Please. Just listen. Nous avance. Donc la première impression, très bonne, hein, forcément. Première voiture qu'on demande, ben on l'a. Donc génial. A lot of traffic jam. Thomas et Ellie essayent de sortir de la ville en voiture. Rosaline et Candice, elles, tentent une autre stratégie. Avancez à moto, mais il faut convaincre 2 personnes de vous prendre à bord. Two moto, one, two moto. Elles sont les motos. Les deux là? Yes, yes. Ok, bon approuve. Ok. Thank you very much. Tiens-toi, lui. Thank you. Hello, Doriga. You are going. Okay. Okay, we are going back. Thank you, sir. Okay, thank you. Thank you. Thank you, man. Thank you. Yes, thank you. Can I help you? Yes. À un moment, on a voulu prendre des motos. You bring us. Just on the way. Just on the way. Faut arrêter une deuxième parce qu'on va pas monter à 2 sur une moto vu comme on est chargé. Et nous déposer à la sortie de la ville. We want to go to just the exit of the town. Exit of Can the you bring town. Me? Dis-lui d'attendre quand même. On leur demandait aux 2 motards de se parler pour se dire on va à tel endroit, machin, mais ils voulaient pas se parler. Thomas et Ellie, chacun sur une moto, s'éloignent l'un de l'autre et tout va très vite. La foule, le trafic, en quelques secondes, les 2 équipiers se sont perdus. My friend is over there. I lost him. I lost my friend. Do you understand? Do you understand? I lose my friend. I must find it. Là, faut aller là. Yes, you don't care. You don't care that I lose my friend. Ah, ok, tu penses qu'à ta gueule. I have no money, okay? I have no money, I lose my friend. My friend is on motorbike over there. And your friend don't want to bring me over there. Voilà, Ellie est en aventure là-bas, là. Donc l'autre moto a tracé, je suis sans Ellie. Voilà. J'ai perdu Candice. Ok, there are problems. You have a phone for to call your friend. I think that's my phone. And you? Toi, tu appelles ton copain.
friend. I'm my friend. Oh putain. Hello. Do you speak English? English. I want to go to Mao. Nelly, comme à son habitude, supplie le conducteur du 4x4. Mais cela n'a pas l'air de fonctionner. Fabien aborde un autre véhicule, un peu moins utile. My sister and me. Ok. Nelly, 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 Nelly. Gozi, gozi là. Thank you, thank you. Passe, passe, passe. Bien joué, bien joué. On a trouvé une petite voiture qui avançait pas très vite, mais on s'est dit bon, l'essentiel c'est d'avancer. Ah yes, yes, yes. Stop. Et là, on recroise le 4x4 qui était juste au croisement où la première voiture nous avait laissé. Le 4x4 nous fait des appels de phare, nous dit ok, ok. Donc on se dit génial, on va le prendre lui, on ira vachement plus vite. Yeah, oh putain, génial. Nelly et Fabien descendent illico pour monter dans le 4x4 qui, visiblement pris de remords, a décidé de les aider. Oh, yeah. Oh, ouais, c'est bon, Marou. Donc on est monté dans le 4x4, euphorique, génial. Thank you, it's very nice to go to Mao. Thank you. Là, c'est la première fois que ça nous arrive d'arrêter une voiture en voiture. After? Là, il nous emmène deux fois plus loin que le petit chouknou nous emmenait, à mon avis. Deux fois plus vite. Donc, on a tout intérêt à le prendre. Et en fait, il nous emmène peut-être 10 mètres plus loin à la station service. What happened? What happened here? What's going on? Demande pas des questions, dis d'aller vite. We are going to Mao? No, Mao. No, Mao? No, why? Mao? But why? Why? We want to go to Mao? What's that? You looking for petrol? And we are going to Mao? Okay. After Mao? Sure. Why do you do that? Gorakhpur. No, you say Mao to me. Il nous dit qu'il est plus du tout d'accord de nous emmener et il veut retourner à la ville de départ. We are going to Mao and you Gorakhpur and you come with us. I don't want to go to Gorakhpur. We come from Gorakhpur. Oh no, please. Please help us. Please help us. You stop us. I lose the game and I must go back in France. Because you, I will lose the game. Putain, mais je rave. Viens, on se casse, ça sert à rien. Il se tâte la nouille depuis avant. Là. Ok, on dit pas merci, hein, parce que là... Tiens, tu pourras fermer la porte. Non, mais je rêve, trop de balles. Il n'y a pas un chat ici dans ce bled pourri en plus, maintenant. Putain, le con, alors, celui-là. Mais prends de l'essence, au moins, au lieu de nous regarder, là. You want taxi for Varanasi? No taxi. No taxi. No money. You can talk here. Many taxi here. You can talk there. Thank you. You are a gentleman. You think it's possible to take a car without money? I will try. Help me, please. For you. Okay. I will try for you. For me? Thank you. Yeah. I have a gold. Okay. Sorry. Bijou. Okay. Okay. You have only gold. Yes. Yeah. Okay. A pure gold? Yes. Yes. Yeah. The French gold. How much price? The price in euro. In euro. In euro. 1000. 1000 euro. 1000 euro. You're telling 1000 euro? Is it pure gold? Yes. L'autostop en Inde, c'est très difficile parce qu'ils veulent de l'argent. On sent vraiment que c'est la misère. Même si on veut troquer de l'or, ils n'en veulent pas. He wants to check if either it is gold or not. I buy this bracelet in France. It's a pure gold. How will you give him money after reaching there? No! Not possible. Take the money, me. No money. तुरीन का देखे कैमरा चल रहा है. Your friend TV वाले हैं. It's okay. I go another car. I not a gold. It's a gold. Yes. On perd du temps depuis ce matin. C'est atroce. Goodbye. Thank you. Okay. Bye. Thank you. Bye. Là, je vais me bénérmer, ouais. Je joue pas trop le jeu. Allez, venez nous. C'est pas grave. On va se débrouiller. Please. De son côté, le stress augmente pour Thomas. Cela fait maintenant plus d'une demi-heure qu'il est sans nouvelles d'Eli. Pour Rosalie, même situation, c'est l'angoisse. Je m'inquiète parce que Candice est toute seule en Inde. Je ne sais pas où elle est, je ne sais pas où elle a tourné, donc...
I have a friend and he take a motorbike. I go over there. Can you help me? J'attends. Il y a l'autre moto qui est parti voir où était cette personne. Où est-ce qu'il a amené Candice? I lose my friend. He's over there. Can you help me? Et Candice, elle n'a pas la carte pour lui dire le nom de la ville. Ça se trouve, elle ne se souvient plus. Donc voilà. Can you bring me a... Thomas part à la recherche d'Elie dans les rues de la ville. Au même moment, Candice retrouve Rosalie. J'ai pété un câble. Le vieux là, il m'a emmené sur une mauvaise route. J'ai eu super peur, j'étais super contente de la revoir. J'ai vraiment stressé. Je pensais plus à la course à ce moment-là. Allez, c'est bon. 10 minutes encore et je pleurais. Hein. J'ai failli pleurer, ouais. Bien sûr, j'ai failli verser ma petite larmichette. Moi, j'avais trop peur. Pour les filles, tout finit bien. De son côté, Thomas aussi vient de retrouver Elie. Very nice, thank you very much. Bye bye. Thank you. Tu m'as fait flipper, mec. Ah, mais t'inquiète, moi aussi. Ah ouais. J'ai perdu mon copain. Non, mon nez. Au revoir. Non, mon nez. It's a game, TV. Pour les cousines, Nadine et Sylvie, cette première journée de stop en Inde se révèle difficile. Voyager sans argent est un problème. Dans les bus aussi, le principe se vérifie. We cannot help you. Mais quand tu crois que c'est gagné en Inde, c'est pas gagné. C'est pas gagné, mais toutes les équipes veulent avancer en direction de Varanasi. Sur la route se trouve la ville de Saidpur. La première équipe arrivée à Saidpur aujourd'hui gèlera la course et fera sonner la balise, obligeant les autres à s'arrêter et à trouver un endroit où dormir. Pour Nadine et Sylvie, Saidpur est encore loin. Elles sont à peine en train de sortir de la ville de départ. Cela fait 3 heures que la course a démarré. India is very... Yes, great. It's very difficult. It's stopping. No, 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 no. Si, 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 si. No. It's very difficult. Very good. Very smart. Est-ce qu'on fasse un peu quelques kilomètres qu'on sorte de la ville? Parce que sinon, on va péter un boulon dans la ville. Loin de Gorakhpur, le bus de Nenny et Fabien fait une petite pause. How much one? One, how much? Five rupees? Two rupees, ok? Le bus, il fait une pause de 10 minutes, donc on va acheter à manger, on profite de ces 10 minutes. Et en rentrant dans le bus, alors là, c'était... on rencontre Rosaline et Candice. On les a bien prévenus, on leur a dit attention, c'est un bus géré par l'État, il faut que quelqu'un paye pour vous parce que sinon eux peuvent perdre leur job. Quand on est entré dedans, ils n'avaient pas l'air très contents de nous voir, ils nous disaient peut-être. Mais en tout cas, ils ne vont pas laisser monter si quelqu'un ne paye pas. Hein. Je crois bien. Nelly, elle dit qu'ils ne peuvent pas nous laisser monter si on ne paye pas. Rien, on dira, après on dira. On est resté quand même parce qu'avec Candice, on a nos techniques à nous, donc pas question de quitter le bus. Donc la personne nous a demandé de payer le bus. Please, please. Please, it's for a game. On va remonter les autres. Game, non, elle est là où, India, mais. Please, please. Just to pay the salary. Just to pay the salary. Please, on est là. Il ne faut pas remonter les autres, les filles. Oh, les filles, il ne faut pas remonter les autres. Hein. Si vous n'avez pas rentré, on vous a dit qu'il fallait payer pour rentrer là-dedans. Please, on va remonter les autres. Please. Ouais, mais là, non. Au lieu de sortir et de négocier, trouver un payeur pour le prochain bus ou trouver une autre voiture, non, elles ont préféré rester dans le bus, arrêter le bus et nous arrêter nous aussi. Hein. Vous voulez le stylo? I pay with this. Okay. I pay with this. Please, please, please. Merde, là nous on perd du temps aussi, quoi. Please, please, please. Please, please. Dans le bus, il n'y avait pas que nous. Hein. Les gens commençaient à s'énerver. Elle disait aux gens, mais payez pour nous. La moitié des gens ne comprenaient pas l'anglais. L'autre moitié avait sans doute pas cet argent dans les poches. It's for a game, it's for a game. It's good, good. It's for you, not for us. Yes, thank you. Bon, allez, maintenant, merde. Thank you, thank you, thank you. You're a good boy. Voilà. Non, mais bon. Attends, je n'aurais pas fait ça pour vous. J'aurais pas calé. Il y avait d'autres trucs pour nous, t'inquiète pas. Hein. Ouais, la barbe à papa, elle avait aussi raison. Ouais, la barbe à papa, elle avait raison. Ouais, tu sais qui l'a dit, la barbe à papa? J'aurais dû te la mettre. Hein,
contentieux entre Nelly et Rosaline date de l'étape à Hong Kong lors de la qualification pour le Népal. Papa. Pour réussir l'épreuve, les équipes devaient réunir une famille chinoise et un enfant tenant une barbe à papa. Je vais demander la première. On verra qui elle attend. Nelly m'a surprise, mais un niveau. Je crois qu'à ce moment-là, je lui aurais mis une patate. Oui, j'étais la première. J'ai demandé, je me suis arrêtée, j'ai trouvé le bof. J'ai demandé la barbe à papa. Elle allait me la faire. Bravo Nelly, t'as marqué un point avec moi. Allez, dépêche-toi. Qu'est-ce qu'il faut? Ok. Putain, mais on s'est fait niquer là, grave. Putain, mais tu prends ma gueule ou quoi? C'est Tina qui l'a pris, il t'a raconté à tout le monde, c'est moi qui l'ai pris. Je l'ai même pris, c'est toi qui l'as pris, franchement. C'est même pas moi qui l'ai pris. Il est allé à l'hôtel. Qui est allé à l'hôtel? Bah alors c'est bon. Mais toi aussi tu fais chier. On est plus. Là, là, tu ralentis. Ouais, t'as ralenti. Ouais, je suis désolée, je me sens plus. Mais si, tu fais chier. On n'a pas bloqué une heure, on les a bloqués 3 minutes. Donc c'était très égoïste de leur part. Elle a vraiment fait preuve de mauvaise foi sur ce coup-là, vraiment. Elle a vraiment poussé le bouchon là. Voilà, comme ça tu pourras nous raconter à tout le monde une petite histoire. Hein. Elle a bien dit, maintenant c'est œil pour œil, dent pour dent. Donc je pense qu'elle a donné le ton là. Nelly Fabien, ils sont là pour gagner. C'est des winners, ils sont forts, ils sont très forts, tant mieux pour eux. Mais ils ne vivent pas la course de la même manière. Ils veulent vraiment gagner, c'est leur objectif. That is set cool. This is set cool. Ah. Ok. So you can leave us here. Eh bien, a priori, on a atteint la ville périmètre, donc on est à Saïdpour. Comme la balise n'a pas sonné avant d'arriver, on imagine que nous sommes les premiers à Saïdpour, donc c'est nous qui allons faire sonner la balise. Denis a raison. Avec Geoffroy, ils ont été les plus rapides aujourd'hui. Ils vont donc arrêter la progression de leurs concurrents. Nouvelle réussite pour cette équipe, bien décidée à aller loin dans l'aventure. C'est avec ambition que les deux amis vivent la course, comme ils vivent leur quotidien à Paris. J'ai choisi de faire l'aventure Pékin Express avec Denis. Du fait qu'on fait les mêmes métiers de chef d'entreprise, on a des objectifs communs. On se voit après la réunion à 14h. On est toujours jusqu'au bout, on arrive à s'adapter, à gérer. Je suis désolé, je vais devoir reporter notre rendez-vous. Et Denis, quand quelque chose s'emballe un peu, il a tendance à regarder ça un peu de loin d'abord, d'analyser et de foncer après. Bon, ok, super. Et si on associe ça avec le perfectionnisme de Geoffroy, alors là, ça peut vraiment faire fort. Ça y est, on a signé avec la bonne manche à parler. On y va, évidemment, pour gagner, mais surtout pour aller le plus loin possible. C'est-à-dire que tant qu'on ne perd pas, on est dans le jeu. Tant qu'on est dans le jeu, on continue à vivre l'aventure. Maintenant, on va voir pour la première nuit en Inde. Television program. Yeah. Yes, a place to sleep. Ok, thank you, finish. Et bien, où on va dormir, c'est ça, on va. Bon, mais la balise a sonné, elle est chaud. Ouais. On a perdu 2 heures ce matin. 2 heures, game plus. Ouais, 2 heures, si c'est moi, pas trop. On est entre deux villes en plus, donc ça va être un peu difficile. Hein. Allez. Est-ce que tu as la carte pour dire qu'on n'a pas d'argent et qu'on veut dormir? Je crois qu'elle y est. Sleeping in your habitation, please. Denis et Geoffroy, fidèles à leur ambition, ont été les plus rapides aujourd'hui. Leur arrivée à Saïdpour a déclenché la balise de leurs concurrents. La course est finie. Toutes les équipes doivent trouver l'endroit où passer leur première nuit en Inde et toujours interdiction de payer pour se faire héberger. Hello? You speak English? You speak English? Hola, you hope you can get the food. Heart. Yeah, no problem. Okay. No problem. Okay. We go in your house. That's right. Is he agreed to sleep in his house? What? ठीक नहीं है. What did he say? Nounou, je tiens un foulard pour respecter là, pour aller chez l'habitant. Parce que là, d'aller chez l'habitant, ça craint. Regarde, ça va le faire. Hein. Ouais, tu caches les tétés surtout. Voilà. Pas cow-boy, c'est une vieille. Respect. Allez, on est déguisés. Correctement, on recevra. J'en ai un autre de bandana si tu veux le mettre. Bon, je vais pas me barder. Hein. Pour Rosaline et Candice aussi, la balise a sonné.
il faut descendre du bus. Avec Nelly et Fabien, ils se séparent sans un mot. Ma famille come from Valencia. Dès leur premier pas en ville, Rosaline et Candice font la connaissance de Manu, vendeur de sari, le vêtement traditionnel des femmes en Inde. Un monsieur si gentil que les filles lui demandent l'hospitalité. Ok, it's possible to sleep in your house this night. I will try. Oh, thank you. C'est de la balle ici. Oh, oh wow. It's very nice. Je n'ai jamais cru que c'était comme ça. Allez, un peu arrière. La vache. Trop jolie. Je t'en rends compte. Merci, my auntie. Now my auntie assist to you how to be a side. Ok. Alors, tu regardes, Rosa. Et elle refait encore un tour. Hein. Ouh là là, elle fait un truc bizarre. My brother said he would like to marry you now. Du rouge à lèvres et tout. Thank you. Avec les costumes, enfin les saris, le maquillage, c'était un peu après-midi Bollywood. Oh là là. Cette famille était vraiment très touchante, très accueillante. On a passé vraiment un bon moment et une rencontre avec des gens comme ça, ça vaut toutes les amulettes du monde. It's possible for one night to sleep and eat with you. Okay, well, yes, can stay. I'm Chogi. I'm Chogi? Oh, yeah. I'm Chogi. Oh, you are a gentleman. That's my residence. You can stay. Yeah. No problem. Vous, hein? Let's go. Oh, yes, yes. Okay, thank you. D'où sortit cet ange? On est tombé sur un professeur d'anglais exceptionnel. You are a teacher? Oh, yeah. Oh, teacher of English? Ah, c'est l'école? In c'est ici? School? School? Oh, yeah. Okay. Speak English, s'il vous plaît. India. Ah, yeah. India. Ok, ouais, on est fort. Je suis my cannibal. At 8 km. Oh, yes. Yes. One point la for carte, me. Ta. On fait un petit wouh là-bas. Nelly et Fabien sont hébergés dans un village. Avant toute chose, on leur propose de visiter l'école. Nelly, rentre-toi un peu aussi. Hello. Oshka. Oh là là. On a visité 2-3 salles de classe, c'est rigolo, les filles et les garçons sont séparés, ils sont assis par terre, ils s'écrivent quasiment l'un sur le dos de l'autre. Hello! Oh là là, putain, mais combien ils sont là-dedans? Ça doit être le dortoir des filles. Oh, c'est... Je me demande combien elles sont pour tous les lits qu'il y a. Chucky, il a voulu partager le moment. Il nous a fait visiter tout son village. Il nous a fait découvrir ses parents. My grandfather. C'est... What is it? Ah, c'est le puits. C'est le puits. And arrive here in the village. Yeah, yeah, yeah. Ok. Alors là, comment elle est belle. Belle. La pile, non, c'est pas bon ça. C'est pas bon ça, la pile, à la bouche. Jenam Jiki. Il nous a fait découvrir tout ce qu'il cultivait, tout ce qui était local. It's beautiful flowers. You're welcome. Yes, please. Very nice. Thank you. Thank you. Oh, Mariette. Oh. C'est trop beau comme ils ont décoré la voiture. Ça donne des idées. Ils ont des servants. On dirait que c'est des serviettes, les gars. You do that. Thank you. On prend un petit épicier sympathique, il nous a offert le thé, les biscuits. Ce soir, Thomas et Ellie dormiront à l'épicerie, mais il est encore tôt. L'occasion de faire un petit tour en ville. Bon, on part par où? Par là. Ça fait du bien de voir un peu là où on est et profiter. Quoi. Bon, ça fait bizarre de marcher sans sac. Viens, viens, on s'aventure dans le marché. La région est plus musulmane. Du coup, on voit très peu de femmes dans la rue et il y a énormément d'hommes, voire que des hommes. C'est beau, vous avez beau. Dans le marché, tout le monde sourit, donc très bonne première impression sur ces petites parties d'Inde là qu'on vient de découvrir. What is it? Is it a temple? Do you think it could be possible?
Namaste. On est allé ensemble jusqu'au temple. Alors là, il faut imaginer le nombre de ruelles, droite, gauche, etc. À chaque fois, c'était dire bonjour au frère, dire bonjour à la sœur. Namaste. 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 Tiens, regarde, ça doit être là. Nice. Ah yeah. Nice. Quand on arrive face au Gange, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu auparavant. Le Gange, c'est toute une légende. Et là, tout d'un coup, on le voit, il est en face de nous, il est grandiose, et le Gange nous prend tout de suite. Sri Ram, come, stay here. Ok. Sri Ram. Sri Ram. Sri Ram Chand. Hindus, Devata. Ok. For going forest, he will stay here. Ok. This is temple. Yes. Old temple. On a rencontré une personne ici qui a son temple, qui a été créé par son grand-père, donc on a pu le visiter. Et ben, c'est beau, hein. Il y a une terrasse tout en haut qui surplombe vraiment la vue sur le Gange. C'est vraiment superbe. Man swim in the river. Man swim in the river. Ok. Magnifique. Les gens se nourrissent du Gange vraiment. Les femmes lavent leurs vêtements, les enfants plongent toute la journée dans le Gange. On sent que c'est une énorme force pour ce village et pour tous les Indiens qui vivent sur ces rives. Un peu de l'aventure, c'est pas de courir tout le temps, c'est arriver à prendre le temps de découvrir les gens, surtout l'approche des gens, et ça c'est magnifique. Comme hier, on a grandi dans l'aventure, vachement grandi, et notre émotion elle a grandi de plus en plus, et vraiment il y a des gens qu'on n'oubliera jamais, quoi. C'est les gens, ce petit prof d'anglais au fin fond de l'Inde, je crois qu'on n'oubliera pas. Moi l'humanité me touche, si j'en prends plein les dents, je crois que ça n'existait plus dans notre monde. Bien brûlé dedans. Very nice, thank you. T'es une vraie indienne maintenant. Ils sont super tactiles ici. On m'avait dit que les Indiens étaient très tactiles. Effectivement, c'est le cas. Ils sont super. Voilà. 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 Ça, bon, bah, je crois que. Oh, pardon, ouais. Excuse-moi, c'est merci. On arrive. Golou. On sait recevoir ici. C'est royal tout ça. Tasty. Mita, mita. Pas trop mouillé, hein. C'est après que j'arrive plus à l'attraper. Il faut faire nos boulettes en vérité. Stopping. Toi, tu es intelligente, hein. Ben, j'espère que ma fille ne va pas manger avec les nez. On s'est fait un petit dîner aux chandelles sur la terrasse de l'école. C'est les parents de Choki, donc du prof d'anglais, qui nous avaient préparé. C'était délicieux. On a un peu des difficultés à manger comme eux, parce qu'il faut manger que de la main droite. Mais bon, c'est génial. Manger avec les doigts, c'est attrayant, quoi. Ça change vraiment du quotidien. Puis manger avec les patriarches, ça fait plaisir. C'est un peu d'honneur qu'ils nous font. Name of this, what is it? Long matin. Thank you, my friend. We are very happy to eat with you. Les jeunes qu'on avait rencontrés nous ont proposé d'aller prendre un repas avec eux. Là, on a ressenti une grosse différence comme par rapport à ce qu'on a vécu nous en Chine. On a vu que dans certaines villes, à 6h du soir, tout était fermé, ça devenait sombre. Ici, au contraire, les gens se promènent, les marchés restent ouverts, il y a des couleurs, il y a encore des gens qui discutent. Et là, on voit vraiment beaucoup de vie et de joie. Hello, how are you? Oh yeah, I saw cute people in my village and I saw a lot of things of my village. So I glad too much. Thanks for your hospitality. Yes. Very nice. When we meet someone who help us, we ask him to sign this t-shirt. Suite aux différentes rencontres qu'on a pu faire dans cette soirée, on a sympathisé avec une petite dizaine de personnes et donc leur signer le t-shirt puisque c'est vraiment les premiers Indiens qui nous aident véritablement. What did you write?
What does it mean? It means the peace of the men, famous all over the country. Oh, thank all you. All over the world. Thank you, man. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Papa. Papa! Vale, Tama. Cha-cha. Cha-cha. Thank you, Sasha. Good night. Good night. Let's go. Thank you very much. Thank you, thank you. Okay. Thank you very much. Thank you, thank you. Thank you very much. In France, when I say goodbye, okay. I kiss you. Alors Shoki, je pense que ça a été la personne qui m'a le plus marqué dans l'aventure. Il m'a dit, je vous oublierai jamais, c'est... je lui ai dit comme moi aussi. Il m'a vraiment, vraiment, vraiment touché. Goodbye. Goodbye. Ce matin, la course reprend à 6h30. Les équipes repartent du point où elles se sont arrêtées la veille. Seules les deux premières équipes arrivées à Varanasi pourront y disputer l'épreuve d'immunité. Un objectif à atteindre pour espérer à coup sûr continuer la course en Inde. Bye guys, bye. You have two good bikes? Yes. Yes? Oh, that's two times. Let's go. So. Maybe I'm looking. Oh, yeah. Bye, Tata. Bye-bye. Bye-bye. Let's go. Okay. Banashi, Banashi, no rupees. One bus. You wait the bus. Yeah. Okay. You ask a bus if it's possible. Yeah, I will try. Go below, Kalona. Thank you, Mario. Oh, thank you, thank you. Hello. Namaste. Namaste. Okay, bye. Thank you. Bye. Ce matin, pas trop de problèmes pour démarrer la course. Les équipes sont toutes en route, il faut atteindre Varanasi au plus vite, mais à bord d'un véhicule, lorsque l'on ne conduit pas, il faut faire avec les autres et les coutumes locales. Il va boire ? Mais on est sous ma gueule ? Si, si, si. Si ? Ah, c'est cool. Il va boire le thé. On a fait 5 minutes de bus. Where is the driver? Yeah, this is the driver. This is the driver? Yeah. Okay, come on, we go. Varanasi, allez, come on. On va rendre le bus. Varanasi, come on, we go. Les candidats vont participer à une épreuve d'immunité ici à Varanasi, qui est une ville extraordinaire et pour plusieurs raisons. Déjà, c'est une cité très ancienne. Avant, elle s'appelait Bénarès. Elle a 3400 ans. Elle est construite sur une seule rive du Gange. La rive sud, en face, il n'y a rien. Mais surtout, pour les hindouistes du monde entier, Varanasi est une ville sainte. Comme la Mecque ou Jérusalem. On vient prier ici sur les ghats, ces marches qui descendent le long du Gange. Et ensuite, ils se baignent dans les eaux sacrées du Gange pour se purifier. Mais Varanasi a également une autre spécialité, la soie. C'est l'une des meilleures du monde. Et c'est sur ce thème que les concurrents vont participer à l'épreuve d'immunité. L'équipe qui la remportera sera protégée de l'élimination à la fin de l'étape. No money, no money. Ah, ok. Désolé. No money, ça veut dire pas ça. No money, no good. Ah, elle n'a pas dit. Thank you. Dès que tu dis no money, dégage. Dégage. Casse-toi, tu pues. Et marche à l'ombre. Vas-y, mon cœur. Ok. Woo! Allez, cariño. Anda, anda. Ok, this is the get principal. Get principal de Chauvin. Ici. Ah, là. Oui, là, c'est déjà. Dans cette rue-là. Ok. You speak English? Yeah. Yes, the principal gate. This is a gate. So where is it? Where is it now? Here, yeah. I am okay. Where is it? Gate principal. C'est là? C'est principal gate. Where is principal? This is the principal gate. Ah, là-bas. Principal gate. Putain, on est tout prêt. Ok. On est promis. Il est 7h40. Et on est donc la première équipe à avoir atteint le point d'arrivée. Putain de drapeau de merde. Oh, ici, ici, ici. Stop, stop, stop. 4 points. Là, là, là. Putain, on va vite s'inscrire. Oh, je nous inscris. Ah, génial. Et là.
Bah, on participe à l'épreuve, on est super contents. On peut peut-être avoir l'immunité et c'est peut-être 3 jours de plus en Inde. Merde ! Rosaline et Candice arrivent quelques secondes trop tard. Aïe ! Allez, ça va ? J'ai pété la cheville. Ça va, bébé ? Aïe ! Putain, bébé, mon pauvre cœur. T'as mal là ? T'as mal là ? J'ai mal là. On peut aller chercher le doc, là. Arrivé au drapeau, ben, je me tords la cheville. Il y avait une grille, en fait, des grosses grilles, et je me suis pris la cheville dedans, et avec le poids de mon sac à dos, et je me suis tordu la cheville. Eh ouais, catastrophe. Alors... Elle s'est pris le truc en fer. C'est quoi, alors ? C'est une entorse ? Bah, c'est probablement une entorse. Et le principe, c'est quoi ? C'est pas poser le pied par terre ? Là, bah, elle va gêner pour poser. Ouais. Mais pour courir, là, je... Alors, pour courir, c'est impossible, c'est sûr. Elle est mal barrée, là. Et ça handicap longtemps, une entorse ? Oui. Ouais. Ah, oui. Éric Cesareo, le médecin de la course, doit ausculter Candice. Installé par terre dans les escaliers, il décide d'immobiliser sa cheville. Candice résiste, mais la douleur est de plus en plus difficile à supporter. Elle est proche du malaise. Bah là, ça va très mal. J'ai très très mal. En plus, il a touché, il a mis le strap, donc... Ça lance énormément, ça me fait tourner de l'œil. Sauf que si j'ai vraiment mal et que je peux plus, là, je dirais que j'arrête, quoi. De toute façon, là, le temps que l'épreuve se passe, vous avez du temps pour récupérer. La course va pas redémarrer tout de suite. Et puis, on fait le point au moment que ça repart. Vraiment, Candice, faut voir. Hein. Candice doit rester immobile. Durant l'épreuve d'immunité, le médecin va rester à son chevet. Du calme, des médicaments. À la reprise de la course, malgré son entorse, Candice décidera si elle veut continuer l'aventure. Bonjour à tous les quatre. Bonjour. Bonjour. Félicitations d'être arrivés les premiers. Vous êtes sur les rives du Gange, qui est un fleuve sacré pour les hindouistes. C'est ici qu'ils viennent se laver, purifier leur âme. C'est ici aussi qu'ils incinèrent leurs morts et y déversent les cendres. Vous avez participé à la 8e épreuve d'immunité de Pékin Express. L'équipe qui remportera cette épreuve sera protégée de l'élimination à la fin de l'étape à 4 jours à vous. À mon top, une personne de chaque équipe va devoir descendre ses marches, passer de bateau en bateau et récupérer dans les petits paniers que vous voyez là, 2 petits paquets de soie. Dans chacun de ces paquets, il y a 3 étoles qu'on appelle des gamchas. Ces gamchas se portent traditionnellement par les hommes autour de la taille, comme ça. Vous allez devoir accrocher 8 gamchas sur la corde suspendue par des bambous. Mais attention, dans ces paquets, il y a parfois des gamchas de couleur blanche. Et ceux-ci sont très utiles, car ils vont vous permettre de décrocher un gamcha d'une autre équipe. La première équipe qui aura accroché 8 gamchas remportera l'épreuve. C'est également une épreuve de mémoire, parce que bien sûr, vous allez devoir les accrocher dans un ordre spécifique. Ah, mince. Voici cet ordre. 30 secondes, pas une de plus pour mémoriser. Les candidats doivent accrocher les gamchas dans cet ordre. Rose, vert, jaune, bleu clair, rouge, marron, orange et bleu foncé. On est 4 derniers, d'accord ? Bien. 4 du fond pour moi. Tu es 4 derniers. Prêt ? 3, 2, 1, partez ! Les équipes s'élancent. Un candidat doit rejoindre au plus vite les barques pour ramener les étoffes, mais interdiction de prendre plus de 2 paquets à la fois. Le deuxième équipier attend. Il est chargé de disposer les tissus sur la corde. Geoffroy remonte. C'est parti, ils sont quasiment à égalité. Dans chaque paquet, on trouve 3 gamchas. Au total, il faut accrocher 8 couleurs différentes, mais 2 surprises attendent les candidats. S'ils découvrent un gamcha blanc, ils peuvent décrocher chez leur adversaire une couleur qui leur manque. Par contre, si c'est un gamcha noir qui sort du paquet, il ne leur servira à rien. Oula, noir. Mauvais pour Denis Geoffroy. Vas-y, accroche-le.
Vas-y. Dès les premiers paquets, Nelly et Fabien ont trouvé 6 des 8 couleurs. Ils sont en avance sur Geoffroy et Denis, qui ne possèdent pour l'instant que 2 couleurs. Une fois les gammes chats en main, encore faut-il se souvenir du bon ordre pour les accrocher. Non, non, non. Derrière, bleu. Non, pour moi pas. Le bleu, il... Le bleu, c'est à la fin, Nelly. Pour moi, c'est le violet à la fin. Ah, les goûts et les couleurs. En fait, de violet, c'est bien du bleu foncé dont parle Nelly. Pour avoir juste, il faut l'accrocher à droite, au bout de la ligne. Dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Je vais lui enlever une couleur. Ouais. Sors le blanc. Geoffroy et Denis ont un gamme chat blanc. Ils peuvent décrocher chez leur adversaire une des couleurs qui leur manque. Le bleu, vas-y. Vite, 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 vite. Voilà, il va décrocher le bleu puisqu'il lui manque le bleu. Du coup, ils compensent un peu leur retard. Dépêche-toi. C'est parti. Geoffroy repart donc pour ramener de nouvelles étoffes. Il faut rattraper le retard. Nelly et Fabien ont déjà 5 des 8 gamme chats obligatoires. Il rattrape le retard, il rattrape le retard, il rattrape le retard. C'est parti, Fabien. Hey, Fabien, il est déterminé, il vole littéralement. Il va très très vite sur les barques. Alors que Geoffroy et Denis sont en train d'accrocher un nouveau gamme chat, Fabien arrive paquets en main. À l'intérieur se trouvent peut-être les 3 fouleurs qui leur manquent. Noir, 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 tâche, 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 tâche. Putain. Ah, il y a des noirs. Ça va remettre à égalité. Putain, il n'y a que des noirs. 2 paquets noirs, oh là là. 2 paquets noirs. Là, pour le coup, ils ont vraiment pas eu de chance. Nelly et Fabien jouent de malchance. 2 paquets ramenés, 2 paquets de gamme chat noir. Pendant ce temps, Geoffroy et Denis comblent leur retard. C'est celui-là, là. Il revient, il revient. Geoffroy et Denis, Nelly et Fabien ont accroché 5 gamme chats. Reste 3 étoffes à placer de chaque côté, mais la sœur et le frère ont un petit problème. Rose, rose. Hein? C'était pas le même rose là, je suis sûre. Fabien, c'est pas bon là. C'est pas le bon non, rose. Ils sont pas d'accord tous les deux déjà. Non, c'est là-bas, c'est pas le bon rose. La bonne combinaison comporte un gamme chat rose au bout à gauche et un autre, rouge celui-là, qui est placé au milieu. Il manque le rouge, juste le rouge. Dépêche-toi. Putain, mais on a pas de blanc, fais chier. Noir, noir, noir. Tap, tap, tap. Clac, 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 clac. Geoffroy et Denis n'ont plus qu'un gamme chat à trouver, le rouge. Côté Nelly et Fabien, il en manque 2, le jaune et le bleu foncé. Il manque lequel ? Il manque rouge, lequel ? Rouge, rouge. T'es sûr de mon fichier ? Alors qu'est-ce qu'il y a dans ces paniers ? Un noir encore ! Pas de chance ! On a que des noirs ! C'est celui-là le rouge, c'est celui-là le rouge, c'est celui-là le rouge. Non, non. Vas-y, vas-y, jaune. Ah, un blanc ! Allez. Un blanc aussi chez Denis et Geoffroy. Décroche-leur, un de couleur rouge. Denis fonce pour aller chercher le dernier gamme chat. Une fois ce tissu rouge accroché, ils auront terminé l'épreuve. Mais c'est sans compter sur Nelly. Elle retire un gamme chat marron pour les handicapés. Tout est à recommencer. Petite avance pour Denis et Geoffroy. Geoffroy et Denis ont un gamme chat marron à trouver. Nelly et Fabien, eux, doivent encore accrocher 2 tissus, un bleu foncé et un rouge. Allez, Fab. Encore un paquet noir, encore un paquet noir pour Denis et Geoffroy. Trouve l'autre, trouve l'autre. Non, j'ai tout ouvert. Ah, un blanc. Et attends, je le refais tout de suite, je l'enlève. J'ai tout ouvert. Ok, donne la main. Ça va jouer là, ça va jouer là. Elle essaie de décrocher, bien joué. Nelly récupère le gamme chat bleu foncé dont elle avait besoin. Geoffroy et Denis ont maintenant à nouveau 2 tissus à trouver. Allez, allez, allez. C'est marron. Marron, c'est marron, c'est marron, c'est marron là. Jette les autres, jette les autres. Ouais. Marron, vite. Top. Top. Top, on arrête tout. Merde. On arrête tout. C'est Nelly et Fabien qui ont fini les premiers. Maintenant, on va vérifier au niveau des couleurs. Si Nelly et Fabien ont respecté la bonne combinaison, ils ont l'assurance de remporter l'épreuve et l'immunité pour la fin de cette étape. Allez, messieurs, quand vous voulez. Est-ce que c'est le bon ordre ? Parce qu'une fois qu'on court, qu'il fait chaud, il peut peut-être y avoir des erreurs. Yes. C'est bon, pas de problème, Nelly et Fabien, bravo, vous remportez cette épreuve. On est content parce que c'est quand même des adversaires très costauds. Mmh. À mon avis, ils ont de grandes chances de remporter la victoire. Ils sont stratégiques, ils sont physiques. Et là, on est super ravis, ça veut dire qu'on va pouvoir décompresser. Et puis Fabien va surtout pouvoir faire toutes ses pauses, sa moussa quand il le veut. Vous êtes sûr de continuer ? Bravo, félicitations. Voilà, il ne peut plus rien vous arriver. Merci. L'épreuve est maintenant terminée. Les équipes doivent reprendre la course en stop. Toutes sauf Nelly et Fabien qui ont gagné l'immunité risquent d'être éliminées si elles arrivent dernières à Cajurao au terme de la 8e étape. Les candidats ont encore près de 500 km à parcourir. Il ne faut pas traîner. Is it mise à court? Is it possible de stopping in car for me? Stopping
build the car for me? Yeah, yeah. Yes. Okay, bien. Autobike, on bus, on. Non, on va pas les faire. Animal. Okay. Bon, on n'a jamais fait. Ok. Tu as dit qu'on n'avait pas d'argent? No money, hein? We have no money. We have no money. Candice a décidé de reprendre la course, mais avec Rosaline, elles avancent tout doucement. Le moindre pas est une douleur. Ça va, mon cœur, ça va? Ça, tu sais quoi? Quoi? Devant, va trouver une voiture, le temps que j'arrive. Non, je sais pas la voiture. Je peux pas te laisser. Normalement, elle devrait, on aurait dû abandonner. Moi, ça me fait super mal au cœur de la voir comme ça. Plusieurs fois, je lui ai dit, écoute, on arrête, il n'y a pas de problème. C'est... Tu t'es fait mal, c'est le jeu. Elle veut pas arrêter. Elle veut pas, même si moi, je la force à arrêter, elle voudra pas. Appuie-toi bien sur moi. Appuie-toi. Pour faire des grands pas avec la gauche. C'est bien, bébé. C'est bien. T'es forte, t'es la plus forte. Hein? T'es une tueuse. Goodbye, thank you. Je mourrais de chaud. Oh, la chaleur. C'est 26 degrés à Nantes. On est parti. Ah, on est parti. On est parti. On est parti. On est parti. Le fessier, s'il te plaît, je suis très fragile. Doucement, mon chou. Nelly et Fabien ont repris la course protégés par leur immunité. Ils ne sont donc pas obligés de se presser autant que leurs concurrents. Fabien profite du nouveau rythme, plus calme, ce qui agace Nelly. Je comprends pas bien ce qu'on fait là. Mais on va, je vais boire, je voulais essayer d'avancer parce que là il n'y a pas de voiture. Ah ok, non mais je savais pas si vous voulez. Un bouchon là. Je savais pas si tu voulais marcher ou si tu voulais faire. J'ai pas marché pas sans bord là. Tu veux choper un petit truc à manger ou pas? Ouais, vas-y. Mais dis-moi. Oui. Si t'as pas envie, on se croit. Mais si, j'ai envie. Mais viens avec moi alors, si t'as envie. Tu me montres pas trop quoi. Elle m'a dit qu'elle a mangé ça, Nadine. Ah, oh, c'est bon ça. Putain, tu gaves, hein. Tu gaves, elle gave. Mais putain, je te dis oui, tu me dis merde, et quand je te dis non, tu me fais aussi chier. Faut que je dise quoi? Ouais, on va bouffer. Arrête de gueuler, putain. Tiens, moi j'arrête, ok? Allez. Tu me dis ce qu'on fait, hein. Mais viens, on s'arrête, on se fait une pause alors. Mais putain, je te dis avant oui, tu me dis allez. Mais là, faut savoir ce que tu veux. Mais faut que t'arrêtes de gueuler aussi un peu, hein. Ça me donne pas envie de bouger avec toi si tu gueules tout depuis avant là. Je sais même pas pourquoi tu gueules en plus. Non mais Fabien, j'ai dit oui pour manger. J'ai pas dit qu'on doit être affamé, j'ai dit oui. Alors on va manger. Mais je te dis depuis avant, vas-y, oui, 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 tu comprends? En dernière position pour l'instant, Rosaline et Candice viennent heureusement de trouver un véhicule. Je vais te mettre de l'eau froide sur ta cheville. Tu vas prendre les médicaments, hein? On est meilleures amies depuis toute petite. En fait, on est comme des sœurs. Moi, j'ai toujours besoin d'elle comme elle a toujours besoin de moi. On peut dire qu'on est inséparables. Ouais. Allez, si tu tombes, je tombe. S'il y en a une des deux qui est malade et qu'on doit abandonner l'aventure, je pense pas qu'on s'en voudra. Si on abandonne, c'est une décision commune. Voilà. On a des faiblesses indépendamment, mais quand on est deux, ces faiblesses, elles s'annulent en fait, complètement. Thank you. Il y a Mezzapur. Tu sais combien ça fait de kilomètres? Ça fait un quart. Ça fait un quart. Un quart du voyage. C'est tout de suite, dès la première voiture, c'est bien? Tu vois mon cœur, va perdre ce pas. Même handicapés, on est des winners, hein? Rosaline et Candice ont eu de la chance. Elles sont en route pour Mirzapur. Côté Nelly et Fabien, maintenant que la pause déjeuner est passée, il faut reprendre la course. Mirzapur. Mirzapur. We want to go to Mirzapur. Can you help me? Yes. Yes? Oui. Thank you. Okay. He's a new one, man. Quand on a arrêté une voiture, encore faut-il réussir à se glisser dedans. Parfois, c'est un exploit. Moi, j'avais jamais vu ça. Il est monté sur le PP pour conduire. C'est un grand moment de la vie. C'est pas vrai. Eh ben oui, on vient. Mon Dieu. Oh là là là. Il rampe sur le fauteuil. Mais comment il fait pour passer les vitesses? Alors, je sais pas. Attends, on va compter combien on est. 16 personnes dans une Jeep. En France, tu le fais, je crois pas. Allez,
de Carlos, c'est ça, de la terre. Rien de plus. Allez, prends-en deux, trois autres de plus, là. On n'est pas assez. Tout mis à coup. Yes. Yes, ok, ok. Hello, thank you. À bord d'un camion des plus typiques, Thomas et Ellie cherchent comment remercier pour leur trajet. Ils décident d'offrir leur briquet. En fait, ici, ils connaissent pas les briquets. Donc, pour lui faire plaisir, je lui ai offert un briquet. C'est vrai qu'il était tout content, il était étonné. Il savait même pas comment ça fonctionnait. Il le tient dans le mauvais sens. Donc, je lui ai montré comment ça fonctionnait. Et voilà, donc il était tout heureux de cette petite trouvaille. Il a jamais vu de briquet de sa vie, le mec. Il est tout content. Ok, perfect. Thank you, sir. Geoffroy et Denis pensent avancer au moins durant 15 km à bord de cette voiture, mais c'est sans compter avec l'heure du thé. Il est presque 16h, au carrefour, tout s'arrête. Five minutes thé. Ok. Le monsieur qui se fait conduire par son chauffeur, qui a fait une petite pause. Et là, il est même assis sur une chaise et il parle avec trois messieurs. Donc on guette les autres véhicules pour voir s'il n'y a pas un autre moyen d'aller plus vite. On lui fait des signes pour essayer de rembarquer, mais pour l'instant, il a l'air d'être bien positionné sur ses quatre pieds de chaise. Hein. Can you drive us to Langage? Within 5 minutes. Please, minutes. Please. Okay, 5. 5 real minutes. Namaste. Will you accept a cup of tea? Oh no, we must go. We must go, sorry, sir. Sorry. Dernier bat. Alors, mieux qu'on aurait été bien, là, hein, un petit coup de thé. Please, the game is stopped at 5:30. 5. At 30. We must go to Langage. Please, man, it's not funny to sleep outside. Putain. Je le lâche plus. Langage, yes. Please. Wally, Sylvie, wait my friend. Hi. Thank you, monsieur. Il nous a pris. Ouais. Je rêve. La main. Je rêve là, non? Tu as dit que c'était pas l'argent? Ouais. J'ai pris la main et je tenais comme ça et il partait, je tenais la main. Il rigolait, il m'a dit, bois les mondes. Je rêve là. Il est 4h moins 10, on a 40 minutes. Après quelques kilomètres en voiture, Geoffroy et Denis veulent aller vite pour les derniers kilomètres de la journée. Let's go. Il est déjà 17h30. La balise sonne la fin de la course pour aujourd'hui. Rosaline et Candice ont fait tout le trajet cet après-midi dans une seule et même voiture. Elles sont en tête ce soir. À l'arrière, on trouve Nelly et Fabien et Nadine et Sylvie. Ok. Ah, on a stop. On va stopper là, 17h30. On a tout de suite une voiture qui nous a amené jusqu'à 17h30, jusqu'à la fin de la journée. Sur la bonne route. On a toujours une petite étoile. Mais la douleur commence à revenir, c'est pour ça qu'il faut vite qu'on mange. Je prenne mes médicaments pour pas que j'ai mal à l'estomac. Mais j'ai très très mal. Ouais, j'ai très très mal, mais je prends sur moi et puis ça va aller. You live in this village? No. Who live in this village? They are living. You live in this village? Is it possible to sleep in your house? No. School? 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 Oh, it's very good. Teacher? Yes, teacher. Yes. Hello, boy. Namaste. Oh,
your eyes are very good, very nice. On est arrivé dans le village de la personne qui avait la moto qui nous emmenait à ce moment-là et on lui a demandé ce qu'on pourrait dormir. Et il nous a dit, mais écoutez, venez chez moi tout simplement. Very thank you. Cette première étape en Inde est celle de la découverte d'un nouveau pays et de ses habitants. Des habitants très nombreux à se presser autour des visiteurs occidentaux si différents. On est serré les gars. Allez, allez là. On va respirer. Avance. Non, je prends ton bâton et je te tape dessus. Allez, avance. C'est eau tranquille. Il y a eu un attroupement d'hindous et une foule énorme, je sais pas, il devait y avoir peut-être une centaine de personnes. C'est vachement oppressant, dès qu'on bouge, on fait un geste, ils nous regardent, ils ont jamais vu d'occidentaux. Cassez-vous. Il est midi. Ah, moi, je vais péter un câble, sérieux. Hé, hey, oh, 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 ça suffit bon. Maintenant. Attends, Fabien, reste avec moi. You are my brother, you are my sister. Ok. No problem. It's far away, your house. It's far away. Je trouve que cette personne est super gentille. Elle nous a emmenés un peu en dehors du village. Là, on est un peu flippé parce qu'il y avait une quarantaine d'enfants qui nous encerclaient. Ils poussaient nos sacs, nous donnaient des coups de pied dans le sac. Donc, on ne savait pas trop comment réagir, si c'était agressif ou alors juste content de nous voir. C'est ça, no problem. Yes. They hit me. Oh, stop. Vous souhaitez participer à la prochaine aventure de PK Express avec l'un de vos proches? Inscrivez-vous dès maintenant sur m6.fr. Vas-y, montre-nous lui avec sa bougie là. Namaste. Please. Elle est l'arika. Namaste. Two person sleep and eat here. It's possible. Yes. In your house. On a montré notre petite carte pour dormir et puis on est tombé chez un médecin. On a été accueillis dans un mini hôpital. On est dans un dispensaire en fait. C'est une clinique. Ah ben, on est bien trouvé. Il y en avait un qui était en train de se faire recoudre le doigt. Oh mon Dieu. Oh là là, il s'est coupé le doigt. Bon, c'était atroce. Hein. Les conditions d'hygiène sont vraiment déplorables. My friends, our problem broken. Attends. Non, non, mais il me touche pas, Rosa. Pourquoi tu lui as dit ça? Non, parce que c'est un vache. Alors, regarde ce qu'il fait là. Il va me toucher là. Moi, sort de. Il me touche pas à ma cheville là. C'est bon. Non, non, faut pas qu'il me touche. Mais il me touche pas, c'est hors de question. Rosaline et Candice, pas très rassurées, vont passer la nuit au dispensaire. De leur côté, Nadine et Sylvie dorment à l'école du village. Au sport, is cricket, cricket, yes, et football. Zidi zidi dan. No, no. Is possible to visit in the class? This is a classroom. English? Yes. France. Okay. Make a name in English. Take in English. Yes. Yes. Oh, correct. Bonne nuit. Bonne nuit. Non, pas le te. Nuit. No, bonne no, nuit. Nochi. Bonne nuit. Bonne nuit. Voilà. Oh, c'était fabuleux de faire la maîtresse d'école. En plus, il s'est éclaté de nous marquer les mots en anglais, moi de les traduire en français. Vegetable. Légumes. Végétal ou sinon. Ouais, c'est légumes. One, two, three, let's go! On est dans un hôpital. Hein. No water. For to shout. No water. No. I have water. Have water. Yes? Yes. D'accord. Dans le puits. Il n'y a pas de salle de bain, mais il y a un puits dehors et il manque juste un peu de lumière. Et c'est le top, c'est royal. Si je veux me laver, il faut que je saute dans le puits. Il y a quelqu'un? Je voudrais prendre une douche. C'est possible? Namaste. Smell good. Sa femme a fait la cuisine et nous a préparé un plat typique indien. La particularité, c'est que sa femme faisait la cuisine, mais ne mange pas avec nous. So your wife eats with us? Non. Alone eating. Okay, sure. Okay.
nous, on était un peu gênés que la femme soit en cuisine, nous prépare à manger, ne vienne pas avec nous. On aurait préféré qu'elle soit avec nous. Et dans leur culture, ça se passe comme ça. Et la façon dont ils le font, c'est pas du tout choquant. La femme est vraiment très heureuse, très souriante. Elle a toute sa place dans la maison. Daniel Mann. Pourri. 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 Oui, pourri. Non, là, c'est bon. Daniel Mann. On ne refuse jamais un pourri. Annoncé. Ah! Thank you. T'as acheté, hein? Yeah. Ils sont vraiment généreux. Quand il y a trop de monde, au bout d'un moment, on est un peu perdu, on a envie de se reposer, de se retrouver peut-être un peu seul. Pendant un moment, on a eu 50 personnes dans le dispensaire qui nous regardaient. C'est très fatigant, la foule, comme ça. Ces gens, c'est oppressant. Ouais, c'est chiant. C'est oppressant, cette foule. On n'a jamais eu autant de monde pour manger. C'est l'attroupement. Hein? Un peu des hommes? Non, on a une choupette. Hein. On a une choupette. Hein. We would like to see how it's to pressed in Hinduist. Yes. Ce qui est étonnant dans la prière hindouiste que l'on a pu voir, c'est la diversité qu'il y a entre celui qui est l'équivalent du pape en fait pour nous dans leur religion, et ensuite elle est sortie un peu dans le jardin et elle a prié auprès d'un arbre qui apparemment est un arbre sacré. Même si ce n'est pas du tout notre religion, même si on ne la connaît pas du tout, eh bien c'est toujours un moment d'encueillement qui nous permet de nous rapprocher aussi de notre famille qui est loin d'ici, de faire un moment de pause réelle. Namaste. Beautiful house too. Invité de marque, visiteur de marque, le baba du village, moine hindouiste, vient saluer Rosaline et Candice. He's best astrologist. Best astrologist. What does she mean? It is symbol of God of Shankar. A symbol. 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 Krishna. 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 Just one wife. Just one. नहीं राम है जोन भाई लास्ट 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 मी लास्ट लास्ट मी विष्णु भाई लास्ट मी लास्ट मी विष्णु 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 अ फिर एक थोड़ा सा हिंदुइस्ट vite fait hein vite fait hein bon pas trop bien compris on va dormir sur les tables de l'école vous avez dormi hier soir sur les tables pied qui a gonflé j'espère que je vais réussir à dormir tu as ma chouchou ciao bonne nuit à demain good night. C'est ce qu'il y a de plus beau qu'un coucher de soleil? Un lever de soleil. Oh, it's very good. Good morning. Very quiet. Daniel Ban, thank you very much. Thanks. Daniel Ban. Daniel Ban. And if you come in France, you come on my house, okay? It was very nice to meet you. Thank you. And thank you for all you do for us. Okay, thank you. Welcome. Bonjour. Bonjour, alors. Comment ça s'est passé? J'ai très mal dormi. Candice a passé une mauvaise nuit, mais elle refuse d'abandonner. Le médecin de la course contrôle néanmoins son état avant de la laisser partir. Franchement, ça va? C'est un petit peu gonflé. Là, Candice peut continuer l'aventure, déjà elle est courageuse. Elle a mal, mais il n'y a pas de raison d'arrêter aujourd'hui. Au revoir, bon. Au revoir, Doc, merci. Les candidats vont reprendre ce matin la course à partir de 7h. Les équipes repartent du point où elles se sont arrêtées la veille. Ce soir, la dernière équipe arrivée à Kajurao sera éliminée. Please, Rewa, Mister, Rewa, please. Yeah, okay. Thank you. Ah oui, t'as fou. Non, mais ils font ça avec la tête, mais c'est pas forcément oui, hein. Oui, et c'est non ici. Comme ça, c'est oui. Et comme ça, c'est non. Je deviens fou. Non, please, I just want to be a bit alone. No, please, ok. You're not in school? Yeah, oui. Ah, ok. Candice tente de faire quelques pas pour tester sa cheville. Rosaline, elle, vérifie que le prochain bus part bien dans la bonne direction. Une voiture serait plus rapide, mais avec la cheville de Candice, mieux vaut opter pour la simplicité. Here, the bus for Sapnaria. 7 o'clock. 7 o'clock. 7 o'clock. C'est à qui ce vélo? Oh là là! C'est énorme! Vas-y, Rosa. She's crazy. Come on. Okay, goodbye.
thank you. I don't you Monday. Vas-y Rosa, continue. Roule à gauche. À la fin de cette journée, une équipe sera éliminée. Pour mettre toutes les chances de leur côté, Geoffroy et Denis ont une technique quasi brevetée, le double stop. No money. It's for TV. No damage. C'est vrai qu'on essaye à chaque fois de dédoubler les possibilités, donc aussi bien Geoffroy que moi essayons d'attraper les voitures. Ce matin, on a arrêté dans deux camions en même temps, après nous de choisir le bon. Geoffroy ! Geoffroy ! Geoffroy ! Oui. Reward, 89. Jusqu'où il nous mène, on ne sait pas. Reward, c'est bien si on mène jusqu'à Reward. Nouveau Reward. Yes ? We can go ? Pour Candice, le moindre soubresaut, la moindre bosse augmente la douleur. Elle doit serrer les dents. Super fière de Candice. J'essaye de la faire rire tant que je peux parce qu'il n'y a que ça qui la sauve. Ça marche, c'est un bon médicament. Heureusement que tu me fais rire, je te jure. Si je vais crever. Malgré ma petite entorse à la cheville, je pense pouvoir aller jusqu'au bout. Physiquement, j'en suis capable et j'en ai envie. Donc, j'oublie la douleur. Express ou pas, les routiers indiens ne dérangent pas à leurs habitudes. Il est encore tôt et le camion de certains candidats est pourtant déjà stoppé au bord de la route. Et bien là, on fait un arrêt parce que notre chauffeur fait une petite pause, un thé, brossage de dents, etc. Donc on a essayé de voir si on pouvait changer de véhicule pour aller avoir un plus rapide. On a surveillé la route aussi, voir s'il y a des grosses caisses qui passent. Quoi. Donc en fait, ils sont juste arrêtés pour prendre le thé du matin, tout ça. Ça faisait vraiment la petite famille qui s'arrête en camion, tout ça, sur la route. C'était très sympa. Ellie, vient de se faire doubler, là. Par qui ? Les filles. Ah, c'est les filles. Eh bien, la deuxième équipe revient de doubler. Hein. Ellie et Fabien et Tom et Ellie. Nadine, Sylvie qui passe devant nous. On s'est fait aller, on cherche autre chose. Hello, you go here. Hello, can you help us? We must go to Katsura. Pour Rosaline et Candice, descendues de bus, pas question de s'attarder. Elles tentent de négocier pour continuer le trajet. Can you drive us here, please, please? Yes. It's okay? No help? Oui. The first. Good, 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 good. The first. Là, on a réalisé qu'on doublait tout le monde et qu'on a doublé Geoffroy, Denis, les filles qui avaient pris vachement d'avance, Rosaline et Candice. Donc, on était fiers que les filles soient devant. Yes, yes, yes. Eh bien, elles étaient devant. Tu vois, comme quoi, même avec une pâte boiteuse, elles étaient devant. OK. No money. Geoffroy et Denis viennent d'être doublés. Ils abandonnent le camion pour un nouveau véhicule et sortent leur CD porte-bonheur. Very old French singer. His name is Eddie Mitchell. It's like Elvis Presley. Eddie Mitchell, yes. Ah, ça fait trop quand même, non? Hein? C'est trop. Ouais. Puis le son est meilleur qu'en Chine. Ça y est, Eddie dans la place. Kajurao. Yes? This? Yes? Riwa. Ok, no money. Ça marche. Allez. Thomas et Ellie montent dans un bus qui les emmène dans la bonne direction. Il y a juste un petit problème, ils ne démarrent pas. Ouais, là, on peut y aller. We go? He wait what? Let's go. Il attend de remplir son bus. Alors du coup, le chauffeur, il attendait que son bus soit plein pour partir. Du coup, bah ouais, on est en course quand même. On savait pas, est-ce qu'on descend? Mais si on descend, est-ce qu'on va avoir la même chance d'avoir le même transport, tout ça? Du coup, on est resté. Allez, speed, toi! Allez, il est plein ton bus. Donc là, apparemment, il y a que des tracteurs, des vélos ou des mobilettes qui passent. Donc on va avoir du mal à trouver. Est-ce possible? Barura? Barura. Here, Barura. My friend, with me. He's sick.
please, please. Here, j'ai mal, regarde, je vais crever. Rosaline et Candice négocient, et du côté de Thomas et Ellie, le bus a enfin démarré, mais un nouveau problème se pose. Money, money, no money. Hey, Riva. No money. That's it. You don't understand. Ye aane chalta. Ye nahi chalta. À force de négociation, les garçons réussissent à rester à bord du bus. En tête de la course, on trouve Nadine et Sylvie, suivies de près par Geoffroy et Denis. Les deux équipes sont au coude à coude. So now we are near the first one. The team is in this car. Yes. Always. Okay. Good. Yes, we are first now. Les garçons. Ils sont dans un gros 4x4. Je devrais qu'on les double. So now we must go very quickly to the temple. Les candidats terminent leur première étape en Inde, ici à Khajuraho, qui est l'un des sites les plus connus du pays. Il y a 1000 ans, les Maharajas de la région ont construit dans un espace relativement restreint 85 temples. Il en reste 22 aujourd'hui qui ont été découverts presque par hasard en 1840, noyés dans la jungle. Ils ont été dégagés au début du XXe siècle et on a vu des frises étonnantes sur les murs de ces temples. Ce sont des frises qui représentent des dieux, des scènes de bataille, mais également des scènes érotiques. Puisque en ce temps-là, les Maharajas croyaient au Tantra, qui est un culte qui considère que les plaisirs de la chair font partie de la spiritualité. Les concurrents arrivent ici, mais moi je ne serai pas là pour les accueillir, histoire de jeter un peu le trouble dans leur esprit. Ils ne sauront donc pas s'ils sont premiers, deuxième ou dernier. This is for the food is on the left. On the left? On the left? Yeah. Okay. Okay. Temple view. Yes, go, yes, go. Yes. Go, 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 go. Thank you. Thank you. C'est pas ça? Temple Milou, c'est là, 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 là. Lakshmana. Oh putain, oh. On rappellerait du temple. Yes. Yes. Bon, par contre, il n'y a pas Stéphane. Ok. A priori, tout semble dire qu'on est, on doit être en tête. On est arrivé, on a fait le maximum. Hein. On suppose que l'on est en tête. Maintenant, on n'a strictement aucune visibilité directe et aucune assurance là-dessus. L'été dernier, on a rattrapé tout le monde. Donc. Stéphane, c'est pas sympa, on peut nous atteindre. Les deux premières équipes sont arrivées. La balise sonne la fin de la course. Les positions des autres concurrents vont être relevées. Merde, c'est hyper tôt, là. Bon. Voilà, arrêt de course. C'est comme ça, maintenant je pense qu'on est bien dernier, mais vu qu'on est immunisé, ça pose pas de problème. Bon bah à mon avis c'est Candice et Rosaline qui vont sortir ce soir, parce que derrière nous il y a Fabien et Nelly. Non putain. À la base on pensait à un moment donné être première, et puis peut-être qu'en fin de compte on est dernière, on sait pas si on continue l'aventure. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bonsoir. Bienvenue à Khajuraho. Dans quelques instants, je vais vous donner le résultat de cette 8e étape de Pékin Express. Avant de dérouler le classement, question rituelle dès que j'ai un blessé dans les rangs. Candice, vous continuez? Toujours aussi déterminée quand on s'est vu hier? Toujours, ouais. De toute façon, je lis toujours. Un peu de douleur, mais toujours de la détermination dans le regard. Tout va bien. L'équipe qui est arrivée en tête ce soir... C'est Geoffroy et Denis. Venez. Troisième amulette. Ça commence à faire un score. Ça devient intéressant. C'est du poids supplémentaire aussi. C'est du poids, oui, ça va encore. Ça pèse 7000 euros. Celle-là encore, si vous l'amenez jusqu'à Bombay.
Geoffroy et Denis remportent la première étape de Pékin Express en Inde après leurs deux victoires en Chine à Yichang et Longcheng. Engagés, méthodiques, Geoffroy et Denis sont de redoutables concurrents et si le sort ne leur joue pas des tours, ils ont les atouts et l'ambition pour aller loin dans l'aventure. À Kajurao, les deux amis chefs d'entreprise gagnent donc leur troisième amulette, soit la somme de 21 000 euros s'ils remportent la victoire en finale à Bombay. En deuxième position, Nadine et Sylvie. Eh oui, ils ont doublé. Deuxième. On avait les roues à tirer, ils ont redoublé avec un 4x4 beaucoup plus rapide que le nôtre. En plus, on était dernière hier. Nelly et Fabien, vous êtes arrivés dernier. Mais je vois scintiller sur votre sac à dos le dossard rouge. Il ne pouvait rien vous arriver grâce à votre belle victoire dans l'épreuve d'immunité. Tout va bien pour vous. Vous continuez. La dernière place et l'élimination se joue entre Rosaline et Candice et Thomas et Ellie. Horrible. Rosaline et Candice, vous restez avec nous. Thomas et Ellie, Pékin Express s'arrête pour vous ce soir. J'aimerais de venir me rejoindre. Les garçons, venez. Bon, je sais que ça va pas être simple de quitter... On les reverra. Pleurez pas, là. Tout le monde, parce que je sais que vous avez tissé des liens très forts entre vous tous. Thomas, qu'est-ce qu'on peut dire? Expérience de dingue, des gens fabuleux. Que ce soit les candidats ou des même sportifs les gens de haut niveau ici, un frère et une sœur génial, deux Marseillaises incroyables et puis deux filles magnifiques, donc et gentilles comme tout. Voilà. Moi, ce que je retiens, c'est l'Himalaya, voyage en hélico, truc de ouf. Ouais, moi, ce que je retiens, c'est les soirées avec les locaux, aussi. Avec les autres candidats, avec Fabien Nelly, avec Candice et Rosa. C'était des soirées extraordinaires, inoubliables, quoi. J'ai du mal à parler, je vais pas m'attarder sur le sujet. On a vraiment adoré notre voyage. C'est vrai que ça ressemble à un rêve, quoi. Chaque jour, c'était différent. C'était différent, oui. Et vraiment merveilleux, quoi. Aussi bien dans les galères, le premier soir, dans la rue. C'est la première fois que je dors dehors en ville, tu vois. Façon SDF. Ne pas dormir sur le trottoir comme des clochards. Dormir chez vous ce soir. Chine extraordinaire. C'est un pays vraiment fabuleux, quoi. C'était vraiment génial. Népal, merveilleux. Le Népal, c'est un pays de ouf et je crois que je vais y revenir pour profiter vraiment encore plus. Le Népal, c'est à la cool. Et puis l'Inde, c'est... À découvrir plus tard. On repart heureux. On repart heureux, vraiment avec des souvenirs plein la tête et plein le cœur. Bravo à tous les deux. Vous avez une amulette. Cette amulette, c'est Tiber et Nicole qui vous l'ont donnée. Ouais. Elle vient de Seb. Elle porte la Shkoumoun. À qui vous allez la donner cette amulette? Donc, on n'a pas trop hésité sur le sujet, donc on va la donner à nos petits bébés pour leur donner un petit peu de courage. À nos pattes de poche. Pour vous booster un petit peu là. Vous avez Candice? Ouais, allez, c'est rien, t'as ton petit bobo à la jambe là. T'inquiète pas. Allez. Ellie, Thomas, je vous demandais de me remettre votre balise. Voilà. Thomas et Ellie, Pékin Express s'arrête pour vous dès ce soir. Vous rentrez en France. Quant aux autres, les quatre équipes encore en course, l'aventure continue et vous allez voir des choses extraordinaires. La semaine prochaine dans Pékin Express... Fabien ! J'arrive ! Les mains ! Je vais péter les plombs ! Les équipes s'enfoncent un peu plus en un. Je sais pas comment, on n'est pas encore mort. Jette-toi dessus. Et sur la route de Jaipur, la tension monte d'un cran. Allez, dégage, dégage. Mais merde. Oh, Nelly, oh. Ouais, j'ai pas envie de rester ici. Putain, mais c'est horrible. C'est parti en vrac. La semaine prochaine, seuls les meilleurs auront la chance de visiter une des merveilles du monde, le Taj Mahal. Il a fallu 16 ans, 1000 éléphants, 20 000 hommes pour le construire. Le Taj Mahal est le symbole de l'Inde. Pour espérer atteindre le désert du Rajasthan, les équipes vont devoir se dépasser et vaincre leur peur. Nelly, vous allez.
Il y a une vingtaine de serpents. Rosalie ! Des cobras. Oh putain, Nelly, Nelly, Nelly ! Quatre équipes sont encore en course. Mais c'est pas du stop, arrête-la ! Toutes veulent gagner la finale à Bombay. Mais pour l'une d'entre elles, c'est le coup de théâtre. De l'air. Ça double de tous les côtés, c'est de la folie. Ça klaxonne, il y a des gens qui sont à contre-sens. Ils roulent tellement n'importe comment, je sais pas comment on n'a pas encore eu un accident. J'en peux plus, quoi, pour Damien ! Moi, je réfléchis, moi ! J'ai appris que les nouvelles n'étaient pas très bonnes. Je suis dans un état un peu, là, un peu second.